Son décor, son soleil et ses petits diables. Les meilleurs guides qu'on puisse trouver pour découvrir les lieux. Et puis, ils m'ont l'air d'avoir un sacré niveau. D'ailleurs, Odile, si tu peux nous dire où ils nous emmènent comme ça, histoire de me rassurer. On a essayé de renforcer le ski traditionnel par des aspects beaucoup plus ludiques, donc plein d'activités. Vous avez notamment le Big Air Bag, vous avez un snowpark, un border cross, également une activité snake glisse, plus d'autres activités neige comme snow tubing et les pistes de luge. Ah ouais, beau programme! Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils en profitent complètement. Mais il faut quand même oser s'élancer en ski sur le Big Air Bag. Je pense qu'il faut déjà être un petit peu téméraire pour quand on le fait en ski. Par contre, au niveau des bouées, oui, bien sûr, hein, c'est accessible à tout le monde. Ah, voilà, on peut aussi le faire en bouée si on est moins en confiance. Super! Sinon, tu as aussi mentionné le snake glisse. En quoi ça consiste exactement? C'est une activité luge qui se pratique à la fermeture des remontées mécaniques. Alors, sensation garantie. Et donc, vous dévalez toutes les pistes du haut du domaine jusqu'en bas à l'arrivée station. Ah, mais oui, les luges sont attachées entre elles. Avec l'intégralité des pistes pour soi, ça doit vraiment être extra. Mais bon, pas le temps de traîner, j'ai rendez-vous au snow tubing. C'est ouvert même le soir. Le snow tubing, c'est vraiment une activité à partager en famille ou entre amis. On est à l'intérieur de la bouée, on emprunte la remontée mécanique. Vous avez plusieurs pistes avec des dévers et donc des virages un petit peu relevés. Relevés, certes, mais extrêmement sécurisés. Oh, bah si elle n'est pas mignonne dans sa grosse bouée. Et elle y va toute seule. Eh bien, on en a découvert des choses. Mais dis-moi, Odile, à Ossoy, vous ne vous reposez jamais? En dehors de toutes ces activités, on a le droit de ne rien faire aussi à Ossoy. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que moi, après une journée pareille, je pense que je vais en avoir besoin.